Je pars en guerre, chat, cette game, je vous le dis. Oh oh. À d'autres. Putain, y'a des mecs devant, derrière. Ah, c'est la merde, les gars. Là, ça va taper. Non. Ce mec est nul, gros. Putain, je vais l'exploser, gros. Ça, c'est lui. C'est horrible. Gros, c'est le un backstabber sachant backstabber. Doit recevoir backstab. Ah! J'ai tellement envie de le choper avant qu'il s'échappe que je suis prêt à prendre tous les risques. T'avais pas tes armes quand même. T'avais déjà tes armes. Mais t'as tryhard en plus. Ça se tape les gars. Ça me saoule. Village détruit. Silango 3-1, cible 0. J'ai raté, pas de chance. Ah, c'est pas possible. Ok. J'ai toujours pas pu prendre mes classes parce que je déroule comme un grand taré. Ok, j'ai perdu face à un niveau 89. Très très fort hein, d'ailleurs. Là maintenant je vais reprendre mes... Hop là. J'ai repris la méta du démon, les gars. Du coup, pendant la méta du démon, c'est très très simple. On prend la hauteur, histoire de voir en visu ce qu'on a à droite. On fait... Lui, il a pris sa décision. Sa décision, ça a été de tuer le mec juste à côté de lui. Et pour appliquer cette décision, il a dû mourir.
Est-ce que c'était intelligent? Non. Est-ce que revenir sur ces jarges c'est intelligent? Non. Meurs, meurs. Ok, les balles qui passent à travers, on aime bien. Je vois que ça tombe en boucle vraiment ici aussi. On va essayer de faire un petit peu de shopping. Bonjour, une question. Ça joue les niveaux, genre toi, t'es 450 et lui 100. Il a l'avantage. Tous les niveaux 450 subissent les low level. Hop, là, comme je vous ai dit, hip fire les gars. Tu peux même mettre un petit couteau, tu vois. Tu peux te permettre de te faire des petits plaisirs. Moi, j'appelle ça une sucrerie, là, ce qu'on vient de faire. Tu vois ce que je veux dire? Hop, là, j'envoie le colis. Pourquoi par là-bas? Parce que c'est le truc le plus en zone. Là, ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va chercher à prendre la hauteur. Hop. J'ai quasiment la hauteur. J'ai l'impression qu'il y a ce mec qui me... Voilà. Toujours faire attention quand on monte quelque part, les gars. Là, on s'en fout, même si on est repéré, c'est un pauvre tocard qui nous a repéré, on s'en fout. Tu vois. Hop, on l'explose. Le mec là-bas, on lui met un petit coup de pression. Le mec là, on l'explose. Là, maintenant qu'il est crack, vous plongez, faites le saut, un petit jump ici. Et vous terminez sur un petit vidage de couilles sur sa joue droite. Et là, qu'est-ce qu'on entend? Vous avez entendu? On a entendu quelqu'un qui courait sur du carrelage. Sauf qu'il n'y a pas de carrelage ici, vous êtes tous d'accord avec ça. Du coup, on fait quoi? On va là-dedans. On re-shield, tranquille. On prend notre arme. J'ouvre ça parce que des fois, il y a des... voilà. Des drones. D'autres fois, des frappes. Alors là, je vais prendre ce masque parce que c'est chouette. Là, je mets une frappe pour gêner le mec de gauche. Maintenant, le seul mec qui nous dérange dans la partie, c'est le mec qui actuellement est au-dessus de moi. On essaie de capter où est-ce qu'il est. Il est pas là, c'est-à-dire qu'il est forcément au-dessus. Donc là, on reste en mode attaque, décale rapide. On le tombe. C'était probablement le slayer de la game ou j'en sais rien. Il est mort. Et en plus de ça, il nous file une autoréa. Du coup, c'est nous qui avons la power pose à partir de maintenant. On peut même se permettre de mettre une boîte de mun ici. Puis qu'on a celle-là à ramasser. Vous faites partie des 10 derniers. Hop, hop, on envoie tout. On recharge. Et tac, on se fait plaisir. Là, ça sert à rien de... Tu sais, par exemple, les gars, vous voyez la zone, car elle est comme ça. Vous savez que ces mecs vont avoir la zone et vont vous casser les couilles parce qu'ils sont head glitch. Tu vois ce que je veux dire? Du coup, nous, on va vérifier qu'il n'y ait personne dans ce secteur. Évidemment, il a tilté exactement le moment quand on redescend et tout. Lui, c'est possible qu'il soit intéressé par nous, les gars. Parce que... En fait, dans la logique des choses... J'ai envoyé une paralysante pour m'assurer du kill. On est en top 10, c'est le moment de cramer du stuff si on a besoin. On s'en bat les couilles de prendre un fight legit, fair. 50-50. On joue chacun avec une ISO, montée de la même manière. Bon, là, il nous bloque complètement la rotation. On va tenter, on l'a vu rentrer. Le moment où il rentre, c'est ce qu'on appelle un timing. Hop, on est repéré dans le dos, on lâche le move qu'on comptait faire. En fait, il faut te dire que on peut sans arrêt changer de point de vue de ce qu'on veut faire. Là, par exemple, je suis le premier à rota. Je prends une petite position où j'ai une cover. Je vérifie à droite, je vois rien. Petit check à gauche. Il suffit que un fasse une erreur et je le trucide. Hop. En suivant de ça, je lâche cette position et je vais prendre une autre position avantageuse. La connaissance de map est importante. J'ai le top. Évidemment, il y a encore l'autre joueur qui sait où je suis placé. C'est ce mec a passé sa game à me tirer dessus.
Bon, on voit qu'on a l'assistance, ça veut dire que ok, il m'a tiré dessus, mais il a pas fait gaffe à son back, il s'est fait backstab, il est mort. Il reste 3 personnes, on coupe la rotation à une, l'autre est probablement dans le gaz, en train de faire sa rota. Ouais, voilà, tu vois. Il est là, en train de faire sa rota, regardez. Là, il circule. Là, lui, les gars, vous pouvez être sûr, lui, dans sa tête, c'est un génie. Hein. Alors qu'il a juste à envoyer une para ici, comme ça. Il a pas pris la para parce que c'est... On est sur un jeu à la con quand même. Faut le dire. Il y a moyen qu'il meure. Bon. Et voilà, chat. C'est pour vous montrer à quel point les mecs sont à des années-lumière de mon level. Y'a pas claim, y'a le brain. Quand t'expliques les moves, c'est pépite. Si vous voulez, je peux refaire une game comme ça, où j'explique mes mouvements si vous êtes chaud. Fais un mime. One only fan. Vous savez les gars que moi, personnellement, celles qui font un mime one only fan, je vais même pas dire, tu sais, c'est chouin ou quoi. Hein. Je vous explique ma façon de penser. Imaginez, vous êtes une meuf. Vous avez juste à prendre en photo vos vieux yep. Et vous gagnez des grands 5 à 10 000 balles par mois, minimum. Pour moi, les vrais merdumens là-dedans, c'est les Yankees. Qui sont tellement désespérés, gros, qui sont prêts à faire ça. Tu te dis que leur thune, elle ira mieux à toi qu'à eux, vu à quel point c'est des merdes. Ce qui fait que moi, de mon point de vue, les putes dans l'histoire, c'est les clients. C'est des prises de décision dans la vie. Tu dis, putain, fais chier, j'ai un crédit, tout ça, je suis pas bien. J'aimerais bien me faire 200 000 balles ou 400 000 facile. Bam. T'économises, petit billet pour Dubaï. Tu prends surtout pas de brosse à dents. On te fait un peu pipi dessus, un peu caca. Hop, tu repars les poches pleines. On vit dans un monde où y a une personne sur 100 qui a de l'honneur. Ça existe plus, frérot, hein, le temps des chevaliers. Oh là là, Starfoula! Le temps des chevaliers, il est fini. Hein. J'espère que mon point de vue aura pu ouvrir les yeux à certains. J'ai demandé à ChatGPT comment faire des thunes, il m'a dit du dropshipping. Il a pas tort, mais c'est un enfoiré. Je sais pas quoi jouer, chat. Est-ce que je joue... Je vais mourir si je joue cette méta, ça marche, elle marche pas. Je suis en train de chercher des métas. L'arbalète, elle pue, elle sent le vieux chibre sable, l'arbalète. Vas-y, tu sais quoi, je vais jouer avec. C'est poisson, je crois. Non! Il est beau ton casque, ils font le même pour homme. Parce que c'est un casque violet. Tellement pas sûr de toi, Alexis, que si quelqu'un porte du rose ou du violet, c'est... Oh là là, Alexis. Drone ennemi actif. Je l'ai knock, mais je l'ai pas tué. Ah mais Jérôme, c'était sûr. Pourquoi t'as foncé ici? T'expliques pas la game. En fait, j'explique pas la game parce que je joue avec l'arbalète. Y a rien à expliquer. Mais non, Jérôme, t'es retourné sur les mines. T'es trop con.
Wait, my friend. No. Ah, shit. Vous voulez que je vous explique la game? Voilà. Quand un mec vous suit pour vous exploser, prenez votre arme légère. On garde toujours la hauteur jusqu'au dernier moment. Histoire de clear là où on descend. C'est la première règle. Et après, quand c'est comme ça, vous avancez en regardant à gauche de la zone. J'ai toujours. Et vous faites qu'avancer, les gars. Histoire que le mec qui est à votre droite, mais qui est en train de clear la zone, la clear moins vite que vous. Ce qui fait que vous ramassez les kills tout en étant en sécurité. Une fois que vous ralentissez, vous faites un petit check derrière quand même, parce qu'on sait jamais, il y a moyen que vous soyez suivi par quelqu'un qui fait exactement la même chose que vous. Hop, cette personne qui fait exactement la même chose, vous l'explosez. Mais que si vous ralentissez, tu vois ce que je veux dire? Alors là, on a un masque en or, tu vois, on l'active, on vise, on peut se permettre un petit flanc qui reste 30 secondes avant que la zone avance. Tu vois, au final, on a cramé deux barres de masque et on a pris un petit kill facile. On voit que là, il y a un truc à munitions, ce qui va forcément attirer du monde. Donc on se dit qu'il y a quelqu'un là. Ok? Il y a un petit bâtiment là, on se dit qu'il y a quelqu'un. Pendant que je faisais mon explication, voilà, c'est pas moi qui ai le kill. On sait pas trop pourquoi. Mais tu vois, regarde, il y a une entrée A, une entrée B. Mais il y a deux autres entrées, une au fond et une ici. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va se mettre sur ce rebord, histoire de sauter directement. De pas avoir le, tu sais, le vieux volt de merde. Hop, c'est clear. On clear notre back. On vérifie que tout est ok. Hop, petite décale rapide. Et en fait, le mec était caché en bas à gauche du bâtiment. Du coup, on va prendre la décale comme ça, bord du bâtiment. Il s'y attend pas, vu que le mec ne sait pas prendre une ligne, il est tout juste bon à bouffer sa merde surgelée, cet enculé. Dans les ridges, c'est super bien parce que y a que ta tête qui dépasse. Et c'est vraiment idéal pour regarder devant. Sans être vu, tu vois. Là, j'ai vu un mec. Du coup, je vais trouver la meilleure position possible pour le décal. Je regarde un peu à droite avant que le gaz il arrive. Je vois rien. Je vérifie à gauche qu'il n'y a rien. Hop. Un joueur bouclier qui meurt. Un autre joueur qui meurt. On est à moins 2. La résu vient de fermer. Hop, il a pris la hauteur. Il va sûrement nous décaler direct. En position head glitch. Forcément du côté gauche. Là, on sait pas trop ce qu'il y a devant. On sait juste qu'on doit avancer. Donc, au lieu d'avancer bêtement sans objectif. Ah merde. Allô. Ouais. Du coup, quand c'est comme ça, les gars, moi, je vous conseille de jamais avancer par là où c'est vide. Tu vois ce que je veux dire? Je vous conseille d'avancer par le bord de zone. Déjà parce que c'est le côté du gaz qui avance le plus lentement. D'accord, chat? On peut facilement nettoyer tout ce qui est là, tout ce qui est là. Donc là, c'est ce que je vais commencer à faire. On prend que des positions où on a l'avantage. Que de la position head glitch. Là, il n'y a pas d'head glitch, mais il n'y a rien à vérifier. Du coup, hop, on peut looter tranquille. Et en faisant cette technique, tu vois, on clear vraiment notre back d'une facilité qui est abjecte. Là, tu vois, on a pu repérer qu'il y avait un mec là. Si vous avez une mémoire de poisson rouge, vous êtes en train de fumer un gros 3 mètres, comme ça, t'as... Hop, et que vous n'avez pas de mémoire, vous mettez un ping. Hop, regardez, comme ça, on peut se souvenir. On prend la hauteur, on tire. Une fois qu'on a l'avantage, on peut push. Mais vu qu'il décide de nous décaler au sniper, autant pas perdre notre avantage. Et hop, là, on se déplace. Je vise en bas pour avoir... Regardez, là, on voit pas grand-chose. Et là, il y a une sorte de petit zoom en 0.5. Et c'est du détail, mais c'est bon. Là, pas de chance. La zone pop à l'opposé. Et qu'est-ce qu'on fait? On passe par la droite, vu que c'est le côté qu'on a fait que clear. C'est... Vous avez même pas besoin de tirer, les gars. Hop, c'est... Vous faites votre rota avant tout le monde, par la droite. Regardez, c'est même pas de main sur la souris, ni rien. C'est tu fais ta rota. Hop. Et tu prends une bonne position.
Là, par exemple, derrière ce mur, c'est une bonne position parce que c'est position head glitch. Tu vois, regarde. Hop, je revois tout encore une fois. Donc là, hop, on envoie un traversé. Et on a un truc super important, c'est-à-dire on a une info. On a une info sur ce qui se passe. C'est-à-dire je sais que le mec est dans ce hangar et probablement que le dernier est aussi dans ce hangar. Regardez, il y a le mec au fond qui arrive, l'autre, je l'ai entendu tousser par le... Bon. On intercepte, et le dernier gars, on peut se le savourer, on peut se permettre une petite boîte là. On peut lui dire, hé, fais attention! Le gars, ça fait mal! Lui envoyer des paras pour qu'il reste dans le gaz, tu vois. Hop. Et du coup, le mec meurt du gaz. Tuto H1! Les mecs peuvent avoir n'importe quel niveau en face de moi. S'ils se prennent de la stratégie, que ce soit le meilleur joueur du monde ou Jean Tocard, ça revient au même. La stratégie éteint les idiots. Un serpent m'a déjà regardé qui flippait parce que j'avais le sang plus froid que lui. Effectivement, c'est vrai, c'est arrivé. C'était un cobra. Il m'a mordu en suivant. Et après 3 jours d'agonie, mort.